Le thème d'aujourd'hui, Mozart, c'est un monde parfait. Bonjour chers amis, avec vous, Madame Inagamova. Wolfgang Amadeus Mozart. Né à Salzbourg, en Autriche, en 1756. Mort en 1791. Âge 35 ans. La famille de Mozart est très chaleureuse et aimante. Il adore jouer en duo avec sa sœur Nannerl et crée un concerto pour deux pianos. Proche de sa mère, à qui il écrit de longues lettres. Son père lui enseigne langue, maths, géographie, sciences et musique. Mozart a commencé à jouer du clavecin à 3 ans. Il a commencé à composer de petites pièces pour piano à 5 ans. Il a commencé à composer des symphonies à 9 ans. Et à composer des opéras à 12 ans. Les passe-temps et les centres d'intérêt de Mozart. Il connaissait beaucoup de tours de cartes. Il s'en donnait au billard, équitation, escrime, quille, charade. Il aimait les animaux de compagnie, chiens, chats, oiseaux. L'époque de Mozart, relativement paisible. Néanmoins, les mécontentements grandissaient en Europe. Un petit groupe d'individus, richichisme, domine la multitude des pauvres. C'était le passage l'aristocratie qui a une classe moyenne en pleine de croissance qui a multiplié les emplois dans les mines, les usines et les chemins de fer. Les inventions du temps de Mozart. 1775, machine à vapeur de vatte. 1780, stylo à réservoir. 1783, montgolfier. 1785, eau gazeuse. Personne ne connaît pas quelle était la mort de Mozart. C'était mystérieuse. Étrange commande pour un requin. Comte Valsec commande une messe pour la mémoire de sa femme. Il accepta car il était payé d'avance et il était dans le besoin. Mais il était convaincu qu'il écrivait son propre requin. En même temps que le requin, il termine la flûte enchantée, puis c'est la commande d'un opéra pour le couronnement, le Léopold XI. Mais il ne peut pas terminer le requin qu'il confie à son élève avant de mourir. Ce que vous écoutez dans ce vidéo court, c'était le symphonie numéro 40 de Mozart. C'est la fin. Discographie sonate pour violon et piano. C'était le requin de Mozart. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi Mozart, c'est un monde parfait. C'est la mélodie, plus histoire, plus une belle collection de l'art. Écoutez et vivez avec Mozart. Merci pour votre attention.